Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa badimna ilama amelu mini amali faj'alnahu haba'an masura wa badimna ilama amelu mini amali faj'alnahu haba'an masura pour tomber enceinte, c'est de ça qu'il s'agit. Wa badimna ilami amelu mini amali faj'alnahu haba'an masura. Mes sœurs, combien d'années tu te maries? Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu as été à l'hôpital. Tout va bien. Tu as fait tous les examens. Tu as fait tous les examens, les échos, tout, tu as toujours fait. Mais jusqu'à présent, le bébé, là, ça ne vient pas. La grossesse ne vient pas. Toi-même, là, tu ne dors pas. Tu pleures. Ma soeur, oui, tu as raison. C'est la joie de toutes les femmes. C'est la joie de toutes les mamans. Quand tu te maries, d'avoir le bébé dans ta main. Quand tu te maries, d'avoir la joie dans la maison. C'est de ça, mes amours. L'homme va sortir, mais femme va rester avec l'enfant à la maison. C'est de ça qu'on veut toujours. Mais ma soeur, quand tu vas qui, ça n'a pas arrivé là. Le moment n'était pas arrivé. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala est là maintenant. Demain, maintenant, Inch'Allah, allez-y me faire cette plante naturelle là. Le moment est là pour tomber enceinte. Par la grâce de Dieu, c'est pas moi qui te donne l'enfant. C'est unique Dieu qui nous donne l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est lui qui nous donne de l'enfant. Donc, je vous en prie, prends-moi cette recette-là. Il faut le faire avec le courage. Tu vas tomber enceinte. Inch'Allah. Inch'Allah, mes amours. On n'a pas besoin d'autre chose. Ma soeur, dès que tu vois la règle, le premier jour de ta règle, tu me commences à préparer ça. On appelle ça bisable. Flo, voilà, biscuit. Vous me cherchez ça, vous mettez dans la marmite. Ajoutez de l'eau préparée. Quand ça va finir là, faites descendre. Quand ça se refroidit, bois un verre matin, un verre soir, mes amours. Jusqu'à 4 jours là, ou 5 jours, dernier jour de ta règle. Mais chaque jour, tu vas renouveler ça là. Bissable là, tu le bois. Ça ne laisse pas le sang noir. Tous les sangs noirs qui seront dans le ventre là, ça élimine. Toutes les femmes doivent avoir ça. C'est très important pour nous les mamans. Ça ne doit pas finir avec nous. Voilà, mes amours. Après ça là, quand tu finis tes règles là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me cherches feuilles de laurier là. Tu me mets dans la marmite. Tu me cesses comme du girafe là. Tu me mets dans la marmite. Tu me fais les feuilles de goyave sec. Tu me mets dans la marmite. Tu le prépares. Tu agis de l'eau proprement, laver proprement, faire bouillir là. Boire ça, mes amours. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Si tu as le temps, tu peux la renouveler tous les jours ou après 2 jours, tu la renouvelles. Et aller provoquer ton mari. Le premier mois, tu te laisses. Le deuxième mois, va pas te laisser. Le deuxième mois, tu te laisses. Le troisième mois, va pas te laisser. Le troisième mois, tu te laisses. Le quatrième mois, va pas te laisser. Allez-y, essayez, ma soeur. Tu serais future maman. Et ça, là, par la grâce de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. Wabadimna ilama amilu. Mini amali fagi al nahuhaba an masura. Tombez enceinte avec la joie. Tombez enceinte, mes amours. Allez-y, messieurs, mes futures mamans. Mes jolies mamans. Mes dames de classe. Après plusieurs années de mariage, va me faire cette recette-là. Voilà, partout que tu vives, tu vas retrouver mes amours. Si tu ne gagnes pas, va à Google, va à Amazon, tu vas les retrouver. Merci pour tomber cette recette-là. À réagir toujours, mes soeurs. Partagez, les autres vont recevoir.